Le souffle nous accueille. Le souffle recueille nos vies. Il vient insuffler joie et consolation. Le souffle vient danser la danse de la vie et célébrer la beauté de cet instant, la beauté de chacun et de chacune, la beauté de la vie donnée. Le souffle vient nous donner grâce, paix et amour de la part de Jésus-Christ, notre Maître, notre ami et notre Seigneur. Amen. Bienvenue à chacun et chacune en ce milieu du jour. Unissons-nous pour louer notre Dieu avec le psalmiste. Comme elles sont chéries, tes demeures, Seigneur Dieu. Je m'épuise à force de désirer ta présence et je suis dans la cour du temple. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Même le passereau trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Ah, tes autels, Seigneur Dieu, sont bons. Tu es mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils vont te louer toujours. Mieux vaut en effet un jour dans les cours de ton temple que mille ailleurs. Et j'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous la tente des méchants. Oui, Seigneur, tu es soleil et bouclier. Tu donnes grâce et gloire. Tu ne refuses aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Oh oui, Seigneur, Seigneur Dieu, heureux l'homme, heureuse la femme qui a confiance en toi. Et nous pouvons nous unir pour chanter ensemble notre premier chant, le psaume 92, les deux strophes. Matthieu au chapitre 5. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je partagerai avec vous trois éléments. Un contraste, une audace, une donation. Tout d'abord, un contraste. En effet, tout sépare, le sel de la lumière. En effet, le sel, c'est dans sa nature, fond, se dilue, se cache dans la masse. Le sel disparaît pour donner sa saveur. Voilà un mode de présence implicite, discret, secret, qui par imprégnation révèle sa force et sa pertinence. Alors que la lumière, pour être lumière, doit être vue, mise en valeur, mise en avant, plébiscitée et manifestée. Mode de présence affirmatif, public, évident, qui donne témoignage et qui met au jour tout ce qui peut être caché. Alors sel ou lumière? Eh bien, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, ne choisit pas. Il n'oppose même pas ces deux modes d'être. L'intérieur, la voix cachée, ou la voix extérieure manifeste, le goût, la saveur ou la vision. Ce qui est secret ou ce qui est manifesté, eh bien Jésus non seulement ne les oppose pas, mais les tient ensemble dans ce texte. Il ne résout pas de contradiction, il dit plutôt « voilà deux voix, deux images » que je vous offre pour être disciple à ma suite. Une audace, ensuite, celle d'être, celle et lumière. Vous êtes. Voilà un indicatif. Non pas vous avez du sel, vous avez quelques lumières, vous pourriez les partager avec d'autres. Non pas un impératif, soyez. Vous devez être, mais une affirmation de l'être, dans l'être, que nous recevons et dans lequel nous entrons de plein pied comme disciples. Vous êtes sel et lumière. Dietrich Bonhoeffer, dans Le Prix de la Grâce, commente ce texte et il dit: Matthieu ne fait pas dépendre de la volonté des disciples qu'ils acceptent ou non d'être sel ou lumière. On ne leur lance pas un appel les conviant à être sel. C'est de leur existence tout entière qu'il s'agit.
dans la mesure où elle est dotée de nouvelles bases par l'appel du Christ à l'obéissance, de cette existence dont parlaient les béatitudes. Quiconque vit dans l'obéissance parce qu'il a été atteint par l'appel de Jésus est, par cet appel même, dans son existence tout entière, celle de la terre et lumière. Troisième point, une donation. Quelque chose unit, malgré tout, le sel et la lumière. Eh bien, ce qui unit ces deux éléments, c'est le fait que c'est en se donnant qu'ils révèlent leur vraie nature. Dans le don se révèle la vérité de l'être. Pour être vraiment sel, le sel doit se répandre, se donner, se dissoudre, pour que quelque chose ait du goût. Alors les églises et les chrétiens en peau restent protégés du monde et ils perdent assurément leur pertinence, ils perdent leur être et leur crédibilité. Pour être vraiment lumière, la lumière rayonne, elle éclaire, elle est visible et elle rend visible toute chose. Les églises et les chrétiens sous le boisseau ne s'exposent pas, ne dérangent personne, ne prennent aucun risque, et ils restent invisibles aux yeux de notre société. Alors oui, le don de soi fait peur. Et cette peur nous retient souvent de manifester ce que nous sommes. J'entends dans ce texte que le Christ nous invite à une confiance. Ayons confiance, il nous a appelés. Il nous dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » N'avons-nous pas reçu grâce sur grâce de lui, l'assurance du pardon, son amour sans condition? Il s'est donné à nous, et de cette donation, nous pouvons à notre tour donner.
Ô Christ, reste avec nous. Reste avec nous, lumière du monde, pour dissiper nos doutes, calmer nos terreurs et nous montrer le chemin. Reste avec nous, Rédempteur, pour pardonner nos fautes, pour nous fortifier dans l'épreuve, pour nous délivrer de tout mal. Reste avec nous, vainqueur du monde, pour nous faire aimer ta justice, pour nous donner de prendre soin des affligés, des démunis, pour nous encourager dans nos efforts et nous sanctifier par ton esprit. Reste avec nous, avec toute l'Église, avec toute la terre. Reste avec nous par ta grâce. Et accueille les visages que nous portons en nous. Nos bien-aimés, nos mal-aimés. Nos proches et nos lointains. Et tends ta main bénissante sur ces vies qui comptent pour nous. Et éclaire-nous pour être avec eux, avec elles. Reste avec nous, Seigneur, pour que nous puissions rester proches les uns des autres. Et nous pouvons unir nos prières, la prière de nos cœurs, la prière de nos vies, dans celle que le Christ nous a enseignée, qui fait de nous une seule famille. Nous disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous pouvons chanter ensemble. Viens à nous, au Rédempteur. Thank you.
Que ton esprit, Seigneur, élargisse notre cœur et nous donne de rencontrer en vérité celles et ceux qui vont croiser notre route. Dans l'attente de ta venue, que ton amour porte en nous des fruits de bénédiction. Apprends-nous chaque jour à être sel de la terre et lumière du monde. Que notre Dieu, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénisse et nous garde. Qu'il fasse rayonner sur nous son visage, qu'il nous accorde toute grâce. Allons dans la paix.